surprise comme d'habitude tokita kana terrain pona kokundola ba réalité oyo ezali koleka na sur terrain pona ko comparer yango na vérité oyo ezali na makomi na nzambe nenge bozo constater toza na tenté ya kotambola vraiment partout po soki tolakisi ba bêtise pe ebele nenge batu baza ko célébrer Noël et ko édifier te mais je crois bien na sima nanga bozomona nenge nini batu bazo mela ba petite à quartier après ba prière mais édition à lelo eza spécial tout simplement pourquoi parce que ebele ya bana nzambe bazo fêter Noël Yesu abotami voilà pourquoi biso pe to lobi eza spécial pour na biso to dénoncer vérité ou réalité dans l'église to dénonsaka ensemble na ba invité na biso to yambaka mais édition à lelo eza spécial pourquoi parce que ezali deux chaînes oyo toza en collaboration pour na ko dénoncer ba vérité oyo e bon mama na sima ya oyo etali naissance ya Jésus-Christ lelo batu bazali ko fêter Noël to pesi mbote na pasteur Ladi pasteur Corinthien Mkoti na couple papa Willy na mama Fifi papa Willy na mama Fifi na kati ya Afrique du Sud vraiment malgré de loin mais ba conseil na bango soutien na bango na prière yango mutezo sala pe que vérité ou réalité dans l'église to continuer ko tombola kaka kombo ya Jésus-Christ de Nazareth merci pe na Gervain Poi na Londres parce que aza déterminé pour que ba na Londres na kati ya www toleka vérité ou réalité écoute la bango voilà pourquoi édition à lelo ndenge naza koloba eza spécial pour ekozala kutu animé na ngate tozali en collaboration na RDC de vie eza chaîne ya bana nzambe moko sur YouTube balinga vérité voilà pourquoi ensemble na biso vérité ou réalité dans l'église émission o eza plus de 10 heures tozali béni parce que eza na bandeko bauti Lubumbashi bandeko bauti Katanga ba msusu bauti Belgique ensemble na lingala na français na swahili émission na biso elekani kitoko to dénoncer bien comme il faut natina o etali Noël batonyo so bazo sepela kaka Noël Noël voilà pourquoi bino en Afrique du Sud pour émission o et comme la bino malam ezali grâce ya maison email production image et pa ya Isaac Maboko étoile d'Afrique toyebi ke Afrique du Sud vraiment boza édifié na ndenge moko ya kosakana te tout simplement parce que papa Paulin na Picadilly na papa Guillaume pasteur Kipa bongo salon 4 saisons na salon papa Zizi bango baza déterminé pour que mutu nyoso na kati Afrique du Sud alobate nga na yokaka vérité te aza la surprise vraiment nazoti kabino bolanda nano extrait ya émission na biso o ezalaki animé na frère Blaise Mpongo o azali ministre dédié nga pe na kati nazalaki lokola invité. Il y a des cultes de Noël partout dans les églises. Mmh. Et après des cultes de Noël, les soirs, les pasteurs vont prendre des vins. Ils vont prendre des Donc, des pasteurs vont se retrouver. Ils vont se retrouver dans des clubs des pasteurs. Dans des clubs des pasteurs. Des vins, et ils vont prendre du vin, ils vont prendre des petites à quartier avec leurs petites chéries. C'est ce qu'on faisait. Les filles des ministères. Les filles des ministères. Moi aussi, j'étais là. C'est ce qu'on faisait. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer Dieu pour ses frères et Dieu pour que... C'est ici que nous disons que nous avons connu deux fois la conversion. Deux fois la conversion. De la première. La première conversion, on était encore dans les systèmes. Voilà. Et la deuxième conversion, Dieu nous a maintenant éclairé, ouvert les yeux pour comprendre maintenant les écritures et commencer à déduire. Je suis en train de parler de la Noël. Toi-même, tu vivais bien la Noël avant de se convertir. Comment ça s'est passé la Noël chez vous à la maison et peut-être en Europe, là où vous êtes resté? Bon. Moi, je me suis converti en 2008, disons la Noël, depuis mon enfance, c'est vraiment une fête que je ne ressentais pas ça. Et bon, Dieu m'avait fait grâce et j'ai toujours
Je n'ai fait jamais cas de ça. Et mais en Europe, ça, c'est une fête aujourd'hui qui est devenue commerciale. Hein. Ouais. On va dire ça comme ça. Bon, c'est vraiment commercial. Ça n'a même pas la pensée dans l'air égarément. En fêtant Noël, ils sont égarés. Mais ils ne commémorent même pas ce qu'ils disent. La nativité. Commémorer la nativité. Voilà. Mais c'est plutôt commercial. Le business. Et voilà. Et même condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Parce qu'il y a plusieurs pasteurs pendant cette période qui prennent tout le temps pour, je ne sais pas moi, piller bien comme il faut les peuples dédiés avec de fausses prophéties, de belles paroles flatteuses, soi-disant Koti Sanzambe na Nyongo Nzambatika na Nyongo ya Mutute. Donc c'est vraiment compliqué. Or, notre Seigneur ne mange même pas les billets des banques. Donc ils sont vraiment à côté. Il y a beaucoup de problèmes dans des familles, entre autres même des divorces. Parce que le mari n'a pas acheté les cabellos, hein, le perruque, le mèche, hein, il n'a pas acheté de nouvelles habits, ainsi de suite. Pour plusieurs familles ici à Kinshasa, ça se solde dans des bagarres, ça se solde dans des histoires incroyables. Qu'est-ce que vous allez dire à toutes ces familles où la Noël, la pression monte, hein, même dans des milieux chrétiens, hein, on veut absolument qu'on achète ça, on veut, et les gens, en fait, on perd carrément la tête. Qu'est-ce que vous admirable. La domination reposera sur son épaule. On l'appelait admirable Emmanuel, prince de paix. Prince de paix. Si réellement, si ça s'avérait que Noël en question était le jour de la naissance de Jésus, Jésus n'amène pas les troubles. Est-ce qu'on peut m'acclamer, Dieu? La seule chose que je demande à tous les jeunes, de retourner à l'évangile pur et véritable, à la simplicité. Christ ne nous a pas recommandé de célébrer son anniversaire et de chercher midi à 14h. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la naissance de Christ, soi-disant le 25 décembre, c'est une date spéciale pour célébrer la naissance de Jésus. Ce sont des réalités, mais ce n'est pas ça la vérité. Amen. Retournons à la vérité qui se retrouve dans la parole et non les réalités qui se passent sur terrain par vos gourous, le faux pasteur. Donc c'est, si tu n'as pas trouvé ton poulet, tu as envie de mourir. Voilà. Voilà pourquoi un pasteur m'a appelé hier. Tu viendras prêcher le 31 décembre parce que c'est la fin de l'année. Tu vas faire les récoltes. Tu vas sensibiliser les enfants de Dieu à donner pour l'œuvre, à donner pour les pasteurs. Ce sont vraiment des business qui se faisaient au milieu des pasteurs. Je crois que tu l'as bien ramassé. L'ai bien ramassé. Autrefois, on était là-bas. Il m'a arrêté les messages pour faire le service de l'offrande. Donc, pendant la prédication, tu étais en train de dénoncer. Les frères Fortune étaient là. Pendant la prédication, les pasteurs m'ont fait un note. Arrêtez avec les messages. Fais maintenant le service de l'offrande. J'espère pas que cette fois-ci, tu vas aller. Je ne vais même pas parler. Parce qu'il va t'arrêter encore. Ça, c'est contribuer à l'air. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le... J'ai apprécié le message de votre monde après ta émission. Que la Noël, une fête, elle va pas rien. Elle va pas rien tout fait. Quand tu viens dans la fête, le Bouchikou boit Noël le 24 pour veiller de prière. Après veiller de prière, venir dans ma bar et les autres. Bon, on a passé ma fête, il y a à Noël, il y a comme naissance, il y a Jésus-Christ. Bon, on a passé, venir dans ma bar, venir passer mon hôtel. Après, c'est une. Il m'a désordre dans le copier. En plus, pour ma dégâts, il y a mingi ça, non. Pour ma fête, il y a Noël. On a vraiment eu le temps de dénoncer sur cette date diabolique spéciale 31 décembre où c'est vraiment une date là spéciale pour les bishops entre guillemets qui veulent parce piller. Que ça c'est leur mois, voilà, faut pas oublier depuis le 1er décembre il y a que des veillées qui s'enchaînent, voilà. Il y a que des séminaires qui s'enchaînent et quel est le message qu'on dit aux gens? C'est non, pas non, non. Donc il n'est même pas né le 25. Il n'est pas né le 25. J'ai dit ça. Il n'est pas né le 25. Ouais, vous. Donc ce qui est plus important, c'est que Jésus vient de nous, c'est la sanctification. C'est la sainteté. C'est ça. La fête de Noël va rien faire. Tout le monde, même les occultistes, ils ont là pour fêter la fête de Noël. Tandis que donc, il est loin de voulait rester à la maison. Tout le monde voulait participer, d'assister à la messe, d'être
parmi les célébrants, si vous êtes même des servants, il y a eu des corruptions qui se passent avec l'encadreur. Donc pour célébrer seulement la messe. Pour célébrer la messe. Mes amis, nous devons. On va faire un coucou à Jésus. On va faire un coucou à Jésus. Merci pour nous avoir libérés. Imaginez-vous quelqu'un qui veut servir, mais il doit corrompre. Il va corrompre. Bon, dis-moi, quelle est la motivation qui pousse quelqu'un à célébrer ça, pour qu'on le voie, pour que le chérie, pour que... Explique-moi un peu. Bon, en fait, premièrement, c'était l'honneur, hein, l'honneur charnel. C'est-à-dire, lorsque vous célébrez, vous êtes là en haut, vous le voyez, les chéris, en dehors des chéris, les membres de la famille. Vous devez être presque donc, content de trouver, vous êtes dans la joie, alors que c'est l'absence de Jésus qui crée toutes ces choses-là. Parce que là où il y a Jésus, Jésus nous éclaire. Jésus nous montre. Jésus nous a promis aussi l'Esprit. Quand nous avons l'Esprit, l'Esprit nous enseigne. L'Esprit nous donne aussi l'Esprit de discernement. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous savons discerner les choses. Que telle chose est de Dieu et telle chose n'est pas de Dieu. Ce que nous sommes en train de vivre ne peut se résumer qu'en un seul mot. L'apostasie, la séduction, l'égarement par rapport à la sainte doctrine, par rapport à la vérité, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui lui-même a eu le courage de dire aux pharisiens que vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Donc la parole de Dieu est cloisonnée, la parole de Dieu est menottée, la parole de Dieu est emprisonnée pour mettre en place les traditions d'hommes afin que les gens ne puissent pas être éclairés par l'évangile de Christ. Et pour frère, réalité, vérité. Et nous allons vous soutenir dans la prière. Amen. Continuer à dénoncer. Hein, il faudrait que vraiment Jésus-Christ se glorifie dans votre mission là. Et que vraiment de bonnes choses ça se passe. Alléluia. Et ce qui était un peu étrange, vous partez à la messe et le soir lorsque vous revenez, vous allez maintenant dans des bars. Vous rencontrez avec des petits chéris et vous faisiez n'importe quoi. C'est comme alors si... que tu as célébré la messe. Ah, pendant que tu avais parmi les célébrants de cette messe. Et puis le soir, c'est les chéris. Les chéris. La boisson. La boisson. Et ça et finit dans les hôtels. C'est ça. C'est malheureux. Scandale. C'est pour cela qu'il faut dénoncer la fête de Noël. La Noël maintenant, milieu des pasteurs, c'est une journée de réjouissance. C'est une journée dont on s'est fait de l'argent. Là, on va sensibiliser les enfants de l'église pour apporter des cadeaux aux pasteurs. Les membres de l'église vont aller décorer les maisons des pasteurs. Ils vont apporter. Ah, on décore les maisons des pasteurs. Ils vont aller décorer les maisons des pasteurs. Ça, c'est l'église qui doit le faire. L'église qui doit le faire. Ils vont apporter de la nourriture. Ils vont apporter des nouveaux vêtements aux pasteurs. Amen. Et c'est obligatoire. C'est obligatoire. Obligatoire. Si vous aimez votre pasteur, vous devez le faire. Si vous aimez votre pasteur, la plupart se fait le 24. Il n'a pas la tête, lui, là, regarde, il ne veut pas qu'on fête la Noël. C'est pas mon problème. Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes. On est là pour faire la volonté de Dieu. C'est clair. Ce qui se passe aujourd'hui comme réalité sur terrain, même dans nos églises, ce n'est pas ça la vérité. La Noël, aujourd'hui, c'est une affaire des pasteurs. La Noël aujourd'hui, ce sont des pasteurs qui ont récupéré chez les catholiques. Ah, ils ont hérité. Ils ont trouvé parmi des très bons héritages que le pasteur de Kinshasa ont récupéré des catholiques. Il y a le soutane, il y a les crucifix, il y a des titres et aussi il y a je dirais la fête de Noël. Et puis que c'est la Noël, c'est la naissance de Jésus et la naissance de Jésus égale décorer, manger, boire, aller avec les femmes, c'est le désordre. Même la nuit là, il y avait des gens qui buvaient, ils se sont bagarrés. Moi, je me suis dit, mais si c'était la fête de Noël, pourquoi ils doivent se battre? S'ils disent que c'est la naissance de Jésus, c'est que ça doit se passer dans le calme et non dans beaucoup de bruit comme ça. Mais ils se sont battus à la fin. Voilà mes amis, la naissance de Jésus, les gens se sont battus. Donc, je sais qu'aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons voir des familles vraiment se diviser, la bagarre à fond. C'est incroyable. Déjà, à la base, le Kimbanguiste ne fêtait pas la même Noël avec les catholiques et les évangélistes, ainsi de suite. Non. Comment ça s'est passé là-bas? Ok. D'ailleurs, la fête de, selon eux, la fête de Noël, c'est le jour où le deuxième fils de Kimbangu était né. Donc, et ils ont copié seulement le même. Le deuxième fils de Kimbanguiste. Oui.
Comment le deuxième fils de Kimbangu, il s'appelle Dialungana. Dialungana. Oui, Dialungana Kiangani. Voilà. Kiangani, ouais. Voilà. Oui, c'est sa naissance. Yeah. Donc on a copié, on a seulement pris la date. Ouais. C'était le 25. Et ah, tellement... Donc le deuxième fils de Simon Kimbangu est né le 25. Oui. Et ils ont regardé dans le monde comment les chrétiens fêtaient la Noël le 25 décembre. Et ils ont compris que non. C'est pas vraiment le 25 décembre. Mm. Tellement, selon eux, ils ont la promesse qu'ils ont dit en eux. Mm. Ils doivent confirmer la parole. Par... C'était pour nous, parce que moi aussi j'étais là, une occasion de coucher avec des filles, de faire du n'importe quoi. Vraiment, il n'y a rien de Dieu qui se passe aujourd'hui, même dans ce qui se réclame même de Christ. Ouais, donc, c'est une fête mondaine. Je vais un peu rejoindre mon frère qui vient de quitter ici. Mm. C'est une fête mondaine. Jésus a été avant tout. Avant tout. Avant l'existence du monde. Mm. Ouais, Jésus a été déjà. Aujourd'hui, ce que Dieu veut de nous, ce n'est pas la fête de Noël. Il y a des gens qui se préparent même pour s'essuyer. Il y a des gens qui se préparent même pour se saouler aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Il a épargné de l'argent. Voilà, il a épargné de l'argent. Tout, le jour de la Noël, il va se saouler. Il va se saouler parce que c'est le jour de Noël. Mm. Si c'est vrai, vraiment, nous sommes là pour célébrer la naissance de Jésus. Mm. Jésus a été né depuis longtemps, ici-bas. Et aujourd'hui, il est vivant, il est là. Et... Mm. Il n'est pas là aujourd'hui. Mm. Ouais, c'est quoi en fait? C'est pas important de célébrer ce jour de 25. Ils vivent dans la débauche, ils vivent dans l'impudicité, mais ils se disent que si ça ne marche pas, et ils savent très bien que ça ne va pas toujours marcher, parce que le fait déjà de faire ces contacts-là à tout moment, tant qu'on n'est pas encore marié, c'est mauvais. Mais tu vas dire à ton ami que en tout cas, si ne m'achète pas ces pantalons-là ou bien ces body-là, en tout cas, ça sera fini. Moi, je demande aux jeunes filles comme moi, de revenir à Dieu. Dieu a besoin de notre vie. Il a besoin de ces cœurs-là convertis. Il n'a pas besoin de tout ce qu'on est en train de se maquiller, de faire tout ce que nous voulons. Ça ne va pas nous aider à s'approcher de Dieu. Vous savez qu'il va terminer dans vérité ou réalité ou vérité. Donc, la Noël, c'est une réalité, mais qui n'est pas une vérité. Donc tout ce qu'on est en train de faire là, à gauche, à droite, ce sont des réalités que nous voyons dans notre société, mais qui n'est pas la vérité. Ça mène tout simplement à la confusion. La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible, revenons à la parole de Dieu. Toujours, et le Seigneur. Maintenant, il les lit autrement. Et même dans les églises où on était aujourd'hui, on célèbre la fête des enfants. On dit que Noël, c'est la fête des enfants. Et c'est là que j'ai rejoint un frère qui a donné un texte dans Jérémie. J'ai recherché ça rapidement, j'ai pas trouvé. Où Dieu interdisait aux enfants d'Israël, n'est-ce pas, de ne pas livrer leurs enfants à Moloch. Parce que...
nom d'adoration. Je les reçois des âges. 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 Je sais que ça y est. Je les ressuscitez. Alléluia. La Dieu des cieux. Éternel est la fondation du monde. Et nous bénissons. Alléluia. Je vais vous donner le temps de 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 vous donner le temps